Many pieces are back together now. What's your vision? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez. Aujourd'hui, on va donc parler de nouvelles applications sur notre Google Home et celle qui va arriver tout de suite est de mise puisqu'elle va concerner le sport. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques ont commencé. Alors, on va tout de suite rentrer dans la vidéo avec le Google Home et prendre les renseignements nécessaires. Merci à vous de regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et on va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec France TV Sport. Très bien, je vous mets en relation avec France TV Sport. Vous pouvez m'interroger sur les Jeux Olympiques d'hiver, par exemple pour connaître les résultats, le programme, le tableau des médailles. Je m'appelle Lia, l'assistante France TV Sport, et je peux vous donner des informations à la demande sur les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Souhaitez-vous avoir le programme, les résultats ou le tableau des médailles des Jeux Olympiques d'hiver? Le programme. Voici le programme aujourd'hui. Dans 57 minutes en patinage de vitesse sur piste courte 1500 mètres hommes, séries éliminatoires, à 11h10 en luge, simple homme, et à 11h12 en patinage de vitesse sur piste courte 1500 mètres hommes, séries éliminatoires. Que voulez-vous faire? Connaître les horaires suivants, le programme en cours pour une autre discipline? Pour obtenir ce programme directement, vous pouvez dire « Demandez à France TV Sport le programme aujourd'hui ». La France a-t-elle eu des médailles? Je n'ai pas trouvé de médaille pour la France. Vous pouvez aussi me demander les résultats ou le programme. Le Canada a-t-il eu des médailles? Aucun résultat pour les médailles pour le Canada. Vous pouvez aussi me demander les résultats ou le programme. Résultats pour la France. En ski de fond, skiathlon 7,5 km plus 7,5 km femmes, voici le résultat officiel. Anouk Febvre-Picon a terminé 13e, Aurore Jean a terminé 23e, Coraline Thomas a terminé 29e. Que souhaitez-vous faire? Vous pouvez par exemple me demander le tableau des médailles, le programme ou les résultats complets du ski de fond, skiathlon 7,5 km plus 7,5 km femmes. Stop. Voilà, donc comme vous avez compris, cette application France TV Sport va vous donner en temps réel tout ce que vous voulez savoir actuellement sur les Jeux Olympiques d'hiver. Alors n'hésitez pas à aller le consulter tous les jours si vous êtes un fan de sport d'hiver. Vous allez avoir, grâce à France TV Sport, tous les résultats en temps réel de vos pays préférés, de vos équipes préférées. On va tout de suite passer à la deuxième application. C'est parti. Parlez avec... Bienvenue sur les Voiles Blanches, le restaurant Brasserie Glacier face au port de Royan. Souhaitez-vous des informations sur notre établissement? Pour cela, merci de répondre par oui ou par non. Oui. Sur les planches du port de Royan, toute l'équipe des Voiles Blanches vous accueille pour un délicieux moment gourmand. Pour le plaisir des yeux et du palais, venez découvrir nos excellentes moules frites déclinées sous différentes saveurs ainsi que notre carte proposant viande, poisson et grande salade repas. Sans oublier nos coupes glacées artisanales plein fruits, nos crêpes sucrées et cocktails maison. Qualité et fraîcheur sont notre devise. Adresse 17 quai Amiral Meilleur, 17 200 Royan, téléphone 05 46 38 08 88. Site internet http://www.brasserie-glacier-royan.com. Voilà donc. Des applications diverses et variées. Ici, une application développée par un restaurant du côté de Royan. C'est bien trouvé. En plus, ça permet, grâce au Google Home, grâce à l'assistant vocal, de trouver cet établissement, de pouvoir l'appeler, etc. Allez, on passe à la troisième application qui, j'espère, vous plaira. Voilà donc. Et pour la petite troisième, on va parler de la ville de Paris. Et si vous êtes justement amoureux de Paris, cette application va vous plaire. Car on va lui demander de parler avec Monsieur Paristik. Ok, je vous mets en contact avec Monsieur Paristik. Bien le bonjour cher ami, de quelle rue de Paris voulez-vous l'histoire? Avenue des Champs-Élysées.
Avenue des Champs-Élysées a pour origine, les Champs-Élysées ont été ainsi nommées par allusion au séjour des bienheureux dans les mythologies grecques et romaines. Elle a porté les noms d'Allée du Roule et d'Avenue de Neuilly. La partie comprise entre la place de la Concorde et le rond-point des Champs-Élysées est dénommée Avenue des Tuileries sur le plan de Verniquet. Si vous voulez essayer une autre rue, dites son nom maintenant, sinon dites stop pour arrêter. Avenue des Tuileries. Quai des Tuileries a pour origine voisinage de l'ancien palais des Tuileries. La partie comprise entre le pont du Carrousel et le Louvre a été nommée Quai du Louvre. La partie comprise entre la place du Carrousel et l'avenue du Général Lemonnier a été nommée Quai François Mitterrand. Quelle est l'origine de l'avenue de Clichy ? Avenue de Clichy a pour origine conduit à Clichy. Voir indiqué sur le plan de Deharme 1763, précédemment Grande Rue des Batignolles, RD numéro 13, entre la place de Clichy et l'avenue de Saint-Ouen, avenue de Clichy entre l'avenue de Saint-Ouen et le boulevard Berthier, RD numéro 14. Antérieurement chemin de Clichy, si vous voulez. Stop. Voilà donc pour ces trois applications nouvelles sur Google Home qui viennent tout juste de sortir. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les rues de Paris, le Google Home va pouvoir vous les indiquer grâce à l'application Parler avec Monsieur Paristic. Les rues de Paris n'auront plus de secrets pour vous, les avenues, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes ces nouvelles applications qui sortent sur notre Google Home, ainsi que bien plus. Merci à vous, et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !